Salut, avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que j'ai un Discord, le lien est dans la description. Et la deuxième, je fais des lives de façon régulière, les vendredis et samedis de 18h à 21h. Mais également, parfois de minuit à 3h du matin. Sur ce, bon visionnage. Hey! Oui, les amis. Serait-ce mon retour sur Sao Memory Defrag? Ça faisait longtemps, très longtemps les amis, qu'une vidéo invocation n'a pas vu le jour de Sao Memory Defrag. Mais j'ai fait un effort. Cette fois, j'ai mis les nouvelles unités, comme vous pouvez le voir. Donc écoutez, serait-ce enfin mon retour? Pourquoi pas, hein, après tout, vu que ça y est, nous sommes en anniv. Ah, First, un fameux 11 coups, c'est vrai, pour le 4ème anniv. Il l'avait fait déjà pour le 3ème anniv. Et du coup, les amis, je suis de retour. Enfin, je suis de retour. Est-ce que c'est vrai cette blague, cette plaisanterie, hein? On verra. On verra sur le long terme, les amis. Donc bah écoutez, c'est parti, bienvenue pour une nouvelle invocation sur Sword Art Online Memory Defrag. En deux parties les amis, la première on va faire tout ceci, tout ce que vous voyez là, il y a pas mal de portails, on va les décortiquer ensemble. Et la deuxième partie, évidemment, le portail des 4 ans, comme vous pouvez le voir avec les 4 unités, il n'est pas encore arrivé, il arrive demain à l'heure où je vous parle. Mais pour vous il est déjà là, donc bref, vous avez compris le principe, hein. Donc bah écoutez les amis, sans plus tarder, hein, let's go. Donc d'abord, parlons de celui-là. Un R6 garanti. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des 6. Donc du coup, c'est un crossing skill garanti. Mais ce qui est moins intéressant, c'est que c'est le premier crossing skill. Donc du coup, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas ouf. En vrai, il y a deux persos qui se démarquent. D'après moi. D'après moi, il y a deux persos qui se démarquent. La Sinon, pour son nuque. Et la Lifa, pour son nuque. Mais l'aspect de Lifa est dégueulasse. Donc la Sinon est plus intéressante, on va dire. Donc vraiment, la meilleure des 6, je dirais que c'est Sinon. Le reste, bah, c'est claqué, quoi. C'est... Ça n'a pas de passif. Ça doit jouer obligatoirement level 100. Et tout simplement, quoi. Bref. Donc, bah écoutez. On croise les doigts. Pour savoir quel perso j'ai le Kirito et j'ai la Lifa. La Lifa level 100, Kirito est level 80. Le reste, je ne les ai pas. Donc, j'espère un nouveau perso. Si possible, là, sinon. Ok, je sais rien. C'est rien, bref. Là, sinon, ça serait sympa. Allez, c'est parti. Ah, il commence à pleuvoir. Ah putain, il pleut chez moi, what the fuck. Ah, l'encrade de nuit. Ça m'avait manqué un peu. Ça m'avait manqué. J'espère avoir de la luck, hein. J'espère avoir de la luck, les amis. Allez, la Sinon, peut-être. La Sinon, comme ça, pour bien commencer. Ah, c'est la Yuki. Bon. Comme je vous l'ai dit, claqué, hein. Dépassé, pour le coup. Dépassé, cette Yuki. Mais, putain, et dire que je la voulais aux 3 ans. Regardez l'invocation des 3 ans les amis. Je la voulais cette Yuki. Je voulais Yuki et Asuna. Et pour le coup, j'ai aucune des deux. Bon bah les armes les amis, pareil, voilà, une arme garantie, c'est plutôt sympa. Les armes c'est différent. Les armes sont tous utiles. Sont tous très bien les armes. Donc je sais pas ce que je veux. Honnêtement, je sais que j'ai l'épée de Lifa, donc on va l'éviter. Mais le reste c'est open bar, j'ai okay, rien. Est-ce que j'ai besoin d'un sniper? Je crois pas, donc on va éviter le sniper. Mais après le reste, voilà. Hein. Allez, on va voir, hein. C'est parti. Alors. Ah, nous avons un coffre en or. Je sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais nous avons un coffre en or. Ils nous ont pété le coffre en or, incroyable. Alors attention, c'est la rapière d'Azuna, d'accord. D'accord, ok. Ouais, pick up. C'est une arme. En vrai, c'est sympa. Les armes, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Limited, on a rien. D'accord, ok. Enfin, y a des très bonnes armes. Hein. Et évidemment, il y a ça, les amis. Ça, c'est très intéressant. Sélection scout, on peut le faire une fois. Donc, un R6 garanti. Il n'y a pas que ça, je crois, dans les R6. Je vais essayer de farm ça, je pense. Je vais essayer de farm ça et on va le tenter. Ah, putain. Oh, non. Oh, il y en a beaucoup trop. Ah, et c'est ça, et tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est ça, je comprends pas, attends. Ah, quoique, non, j'ai peut-être rien dit. Légendaire héros, Berkouli. Non, ça va, il y a l'air d'avoir que du Krozinski, là. Il y a l'air d'avoir que du Krozinski, là. Alors, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, mais ouais, il y a l'air d'avoir que du Krozinski, là. Alors, par contre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, il y a des Krozinski qui se valent mieux que d'autres. Mais ça reste jouable, donc... Ne crachons pas dessus. Et j'ai pas vu les premiers aussi de Chronic Skill. Donc peut-être que finalement c'est peut-être une bonne multi. Ça va.
On va pas cracher totalement dessus. Du coup, les amis, bah on va tenter. Alors, les persos, les armes. On va tenter les armes. Allez, c'est parti. Oh, quoique, non. Les persos. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces persos, les amis? Bah, les persos sont très quali, hein. Évidemment. Les persos sont très quali. Qui je voudrais? Bah, le Kirito Double Blade. Bah, PK pas. Double Blade, c'est une valeur sûre. La Sugua, chère, hein, que j'avais essayé d'avoir et que j'avais eu la Silica. Pourquoi pas la Sugua? La Azuna, celle-là est pas dégueu, mais je la veux pas. La Yuki que j'ai, qui est... Ça va encore. Ça va encore, mais c'est pas non plus le plus cheaté. Alice, je sais pas ce qu'elle vaut. Je crois qu'elle est claquée, je la veux pas. Là, sinon, bah sinon, elle est forte. Elle est forte, c'est un arc, voilà, valeur sûre. Mais... si je peux l'éviter. À la limite. Et... Ah, y'a que ça. Ah, jure. Ok. Bon, bah c'est parti. Le Kirito, peut-être. Un R6. Oh, un R6. Incroyable. Un R6 qui est tombé. Oh, le Kirito, ça serait stylé. Le Kirito, je serais content. Le Kirito, peut-être. Ah, dommage. Premier coup sur tes marrons. Ça aurait été très très drôle. Mais ah, c'est sympa, ça. S'il y a que ça... Oh, putain, s'il vous plaît. Mais évitez-moi le doublon. Ah, pas le doublon. Pas le doublon. Pas la Yuki. Hein. Je crois qu'il y a que Yuki que j'ai. Hein. Le reste, j'ai pas. Ah non, pas Yuki. Hein. Vraiment pas Yuki, s'il vous plaît. Enfin, plaisir. Le Kirito Double Blade, je serais vraiment content. Kirito Double Blade, ça serait cool. Allez, s'il te plaît. Ou la Sugua, c'est vrai aussi. Ah, merde, c'est pas ça. C'est pas ça, un R5. Ça, il faut arrêter. Hein. Putain, les R5, les R4, faut arrêter. Je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment arrêter avec ça. Hein. C'est... Qui a un plaisir d'avoir ça? Ah, non, c'est pas là. C'est pas là. Non, mais franchement, quoi, il faut arrêter avec les R5, les R4. Ou transformer les cristaux en couleurs, à la limite. À la limite. Là, voilà. Là, s'ils font ça, pourquoi pas, tu vois. Mais putain, quoi. Ah, quand tu vois un R5, un R4, et que ça donne des hackings classiques, ça fout le seum, hein. Clairement, j'en ai 6000 de hacking, j'en ai marre. Hein. Clairement, j'en ai marre. Hein. Enfin bon, que voulez-vous? Ah, putain, le Kirito. Hein. Ah, le Kirito, ça serait stylé. Alors, ça sera qu'un perso, par contre, les amis, hein, je vous le dis. Ça sera qu'un Crossing Skill. Bon, c'est déjà ça, on va dire. C'est déjà ça. Allez, putain, le Kirito, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Le Kirito. Ah, là, sinon. Bon, ça va. Elle est pas si dégueu que ça. Ça va. Maintenant, il me faut un arc, c'est ça le truc. Ce serait magnifique, je fais le doublé avec l'arme. Parce que j'ai pas d'arc haut, je crois. Ah, si, j'en ai un. Ah, si, j'ai un arc haut. Ah, magnifique. Ah, bah, ça va, je suis content. Ah, bah, ça va. Et si, j'ai un arc haut, c'est vrai. Oh, bah, ça va. Là, sinon. Sinon, Solus, ça va. On va essayer d'avoir son arc. Essayons. Essayons. Allez, c'est parti. Les coffres. Ok. C'est ça, on skip. Ça, on passe. Allez, un coffre rouge. Oh, un coffre rouge pour saucer comme il faut, là. Pour saucer notre pain. Ah, ça serait sympa. C'est vrai que ça serait sympa. Mais bon. Ne soyons pas non plus trop gourmands, j'ai eu un perso, donc soyons pas trop gourmands en vrai. Si j'ai rien, c'est logique. Si j'ai rien, c'est logique. Par contre, du coup, les amis, si vous connaissez pas, hein, parce que c'est comme pour les 3 ans, donc je connais. Du coup, comment ça se passait, les amis, c'est que chaque week-end, donc chaque vendredi apparemment, j'imagine, ou samedi, mais ça va être vendredi. Donc chaque vendredi, on va avoir une multi durant 4 semaines, je crois, on va avoir 4 fois, ou 5 peut-être. Mais durant toute la célèbre, en fait, du coup, chaque semaine, on va avoir une multi comme ça. Sur, je ne sais pas si ça va être le même portail. Je ne sais plus. Si dans les 3 ans, c'était vraiment le même portail. Mais il est possible qu'il change. Vu le faible de perso R6, il n'y en a que 6 quand même dedans. 6 ou 4. Donc, ouais, il est possible qu'il change en cours de route. Mais voilà, en gros, on va avoir une multi gratos. Donc, Oh putain, une arme! Incroyable! Incroyable! Oh, l'arc de Sinon! Oh, l'arc de Sinon, s'il te plaît. Ce serait incroyable. C'est magnifique. Quelle belle perf du joueur français, c'est ça. Ah, deg. Putain, c'est ça, c'est l'arc de Sugua, ça. Un arc terre. C'est forcément l'arc de Sugua. Y a pas du hors bannière, je suis sûr. Ah, merde. Ah, c'est dommage. Ah, ça, de réécrire l'histoire. C'est un arc, c'est pas le bon. Ah, c'est fou, ça. Mais bon, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, j'ai un arc haut. Et j'ai un arc haut très, très quali, les amis. J'ai ceci. À mettre à notre petite Sinon Solus. Donc c'est bien ça. Non, c'est sympa, ça va.
Ça va, ça va. Ok, alors très bien. Alors ça, on va vendre cette merde. Ça va. Pour un début, honnêtement, c'est pas mal. Enfin, pour une reprise, c'est pas mal. Honnêtement, c'est plutôt sympa. Aqua Pierce, hop, on va la monter. Honnêtement, ça va. Ça m'a beaucoup chié dessus. Et là peut-être que les 4 ans vont me saucer comme jamais. Vont peut-être saucer mon pain comme jamais, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc l'arc terre, ça, c'est sympa. Très bien. Très bien. Alors là, sinon, on va la monter. On va la monter. Regarder un petit peu ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle fait, cette Sinon Solus. Je ne sais pas du tout ce qu'elle fait. Alors, où est-elle? Alors déjà, c'est vrai que j'ai 2 persos à monter. 3 même. C'est vrai. J'ai la Sinon. Non, la Yuki, pardon. J'ai la Sinon, la Yuki et la Asuna que j'ai eu. Ça, ah, et la Selka, même. Donc la Asuna, les amis, si vous vous demandez où je l'ai eu dans une garantie. Non, même pas. Juste dans une multigratos, en fait. Et cette Asuna-là, elle est pas ouf, hein. Franchement, on peut s'en passer totalement. Genre, c'est pas ouf. Et Selka, bah, c'est un bâton, quoi. Franchement, j'ai pas de bâton. J'ai pas de bâton, donc je l'ai mis aux oubliettes, on va dire. Et la Yuki, bah, la Yuki, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un perso... un des tout premiers Crossing Skill, donc bon, c'est pas ouf, quoi. On a vu mieux. Sinon... Elle est là. Sinon Solus. Alors, Sinon Solus. Putain, je peux pas avoir Terraria. Il y a 2 Terraria à choper, une lumière et une terre. Si le jeu pourrait être sympa et me donner ma waifu, ça serait sympa. Honnêtement, ça serait cool. Parce que, aux dernières nouvelles, je crois pas que ma waifu, c'est Sinon Solus. Je ne pense pas. Donc, voilà, quoi. Voilà. Si le jeu peut m'entendre sur ça, ça pourrait être sympa. Alors, on va regarder. On va regarder ça. Hop, on va monter ça. Hop, on va la monter 85, évidemment. Tiens, comme ça, vous allez pouvoir voir mes hackings. Que je vous mens pas, j'en ai bien, bel et bien 6000. J'en ai peut-être même plus. Non, même, j'en ai même certainement plus. Est-ce que je suis à 7000? C'est ça la question, finalement. 7000. Ah, 7008. Putain, c'est scandaleux. Et j'en ai 230 des multicolores. Pas mal, ça. Est-ce que je vais monter là, sinon? En vrai, on va garder pour les persos... pour les tout nouveaux persos, notamment le Kirito Dual Blade. On va voir si on le drop, on sait jamais. Donc, pour l'instant, sinon, Solus sera comme ça. Et du coup, j'ai loupé beaucoup d'armure R5, là, pour le coup, les amis. Avec mon énorme pose, donc, bah, tu m'étonnes. Ça, c'est dommage, il n'y a toujours pas un sélectionné tout, malheureusement. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Bon, bah les amis, on va faire une petite... Putain, ça fait déjà 12 minutes, what the fuck. On va faire une ellipse, hein, et on va faire ce portail-là, évidemment. Ce portail-là, et comme ça, après, on attaque, je pense, Kirito, Alice, Egeo, Asuna, quoi. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde, les amis. Bon, alors, ça fait un moment que je farm, je vous le cache pas. C'était assez long, mais du coup, nous y sommes sur ce portail. Donc du coup, finalement, les amis, la vidéo est quand même assez longue. Donc du coup, vous allez m'en vouloir. Mais on va faire cette multi-là et on s'arrêtera là. Et le prochain épisode sera sur les 4 ans, les amis. Je pense que ça sera bien parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Et voilà, quoi, il faut pas. Il faut pas, tout simplement. Donc, Substilizer, Lifa Terraria. On va essayer de l'avoir. Sinon, Solus qu'on a eu, la Asuna Ténèbres et la Yuki Ténèbres. On va essayer d'avoir l'IFA, hein, les amis. Alors déjà, est-ce qu'il y a que ces persos? La question qui tue. J'espère qu'il y a que ces persos. Et je crois que non. Je crois qu'on a... Ouais, c'est ça. On a une chier de R6, donc ça risque d'être très compliqué pour avoir la l'IFA que je veux. Mais bah, c'est parti. Croisons les doigts. L'IFA Terraria Terre, ça serait excellent. Et attention. Ah, déjà, on a l'anime du R5. Ah, l'Encrate de nuit. Bon, le perso à la fin, les amis. On peut en avoir 2, on sait jamais, hein, par un gros coup de chance, mais... Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça serait ma soirée, finalement? Est-ce que ça serait une soirée tout bonnement insane? Ah, ça part mal, hein. Honnêtement, ça part mal. Mais bon, s'il me donne l'IFA Terraria, je serais tellement content, les amis. Ça serait tellement bien. Ah, dommage. Dommage. On aurait pu y croire. Ah, là peut-être. Attention. Ah non. Dommage. Le Kirito R3, yes.
Rien du tout. Rien du tout, ouais, l'Ifataria Terre, quoi. S'il vous plaît, ça ferait tellement plaisir. Ça ferait tellement plaisir. Sinon, bah après, comme d'hab, voilà, un perso que je n'ai pas. Un perso que je n'ai pas ferait toujours plaisir. Un R6 Chrony Skill. Hein. Parce que je crois qu'il n'y a que des Chrony Skill, donc ça, c'est quand même cool. Et après, voilà, quoi. Ifataria Terre, ça serait excellent. Bon, ça sera qu'un, hein, on va pas se le mentir. Ah, ça sera qu'un perso. Tu vois, multi pue un peu la merde. Hein. Ouais, là, c'est la dernière. C'est la dernière. L'Ifataria. Ah, Sugua. Sugua en renard. Je suis pas vraiment fan de cette Sugua-là, mais bon, vu que c'est une Sugua, on va pas cracher dessus. On est d'accord. On va pas cracher dessus, mais c'est vrai que je suis pas très fan de ce design. Hein, vu que moi et les Neko, malheureusement, c'est pas mon délire. Hein, je le dis. C'est pas mon délire, mais ok. Ok. Alors maintenant, le tout, est-ce que j'ai un arc ténèbres? Je crois que j'en ai pas. J'ai pas d'arc ténèbres. J'ai des arcs, mais je crois que bah c'est déjà équipé à... Sinon... Non, pas sinon. À une autre Azuna, justement, donc... je sais pas qui est la meilleure. Ouais, voilà, la Azuna vent. Et après, t'as Rony Chrony Skill, t'as la Alice Chrony Skill également. Bah, je dirais que la Sugua est meilleure. Je pense que Sugua Ténèbres est meilleur, donc bah écoutez, ouais, ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. C'est un nouveau, c'est une Sugua que j'avais pas, c'est quand même cool, tu vois. Mais l'Ifa Terraria est quand même plus belle quoi. Elle est quand même plus jolie je trouve. Mais bon, bah écoutez, tant pis, hein. Pas de l'Ifa Terraria Terre pour moi. Dommage, mais bon, au moins on aura fait la multi. Au moins on aura fait la multi. Alors, ça c'est fait. On va juste regarder les stats, comme à chaque fois que j'aimais bien le faire. Même si bon, là pour l'instant, vu que j'ai pas repris les rankings, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Hein. Mais voyons un peu combien elle a d'attaque. Même si bon, les persos arc n'ont pas beaucoup d'attaque. Ah, et après, est-ce que je monte cette Sugua? La légende voudrait que oui, vu que c'est une Sugua. D'ailleurs, j'ai assez en plus. J'ai assez parce que j'ai 100 ténèbres et 200. Du coup, je peux monter quelqu'un. Mais bon, on va garder au cas où si j'ai le Kirito Dual Blade. Parce que si j'ai le Kirito Dual Blade, on va monter Kirito, je pense. Hein, on va se le mentir. Il sera quand même 1000 fois plus intéressant que cette Sugua-là. Du coup, c'est drôle, j'ai les deux qui étaient sortis dans leur portail, la Sugua et la Yuki, justement. Donc, c'est assez drôle, mais écoutez, ça fait plaisir. Donc, du coup, les stats, 6153 pour un arc, sachant qu'on peut rajouter une armure, donc 6005, je dirais. Ouais, c'est des stats basiques, on va dire. C'est des stats basiques. Après, qu'est-ce qu'elle donne? Auto pari, MP recovery. Ah, MP recovery. Ça, c'est sympa. Ça c'est sympa, c'est que les récentes Chrony Skill qui font ça, donc elle est sauvée par le MP Recovery on va dire. Mais bon bah les amis on s'arrête ici, merci à regarder cet épisode, cette invocation de SaoMD, serait-ce le retour les amis? On verra, je vous dirai mon verdict, mais pour l'instant c'est pas vraiment mon retour. Je vous le dirai vraiment si c'est totalement mon retour, mais au moins voilà, vous avez enfin une vidéo sur SaoMD putain, après quelques mois, même plusieurs mois d'absence, peut-être. Un retour, on verra bien. Mais bon, du coup, il y aura un prochain épisode, vous pouvez être sûr, avec les 4 ans. Est-ce que j'aurai de la chance? Est-ce que j'aurai une non-luck infâme? On verra bien. Allez, bye tout le monde. N'hésite pas à t'abonner également, hein. N'hésite pas, ça ferait plaisir. Allez, ciao.